Donc j'espère que vous allez bien, donc nous voici sur ce petit épisode de Retrait de Simulator 2 parce que tout simplement j'avais prévu de faire l'épisode 20, un petit épisode spécial, donc ça je vous en dis pas plus, où je ferai deux parties où ce sera un test d'un camion, mais je vous dirai pas lequel parce que c'est une surprise. Donc voilà, donc on est avec aujourd'hui un autre camion comme vous pouvez le voir, le DAF XF. Donc tout simplement parce que il va y avoir la mise à jour 1.14 qui va sortir. Bah, je vais vous le dire quand même, c'est le DAF Euro 6 que je vais vous présenter. Donc c'est pour ça que du coup aujourd'hui je prends le DAF XF et on va un petit peu regarder le DAF XF comment il est. L'intérieur, la puissance du moteur, etc. On va regarder un petit peu ça. Et est-ce que quand sortira le DAF Euro 6, est-ce que le DAF Euro 6 va être meilleur justement au niveau puissance du moteur, au niveau des freins, etc. Donc je vais tout de suite vous montrer, donc on va tout de suite conduire. Donc c'est parti, on y va. Donc normalement ça devrait moins laguer qu'avant, même parce que c'est comme là j'ai pas mis d'amélioration. Et comme le titre c'est DAF XF de nuit, parce que vous remarquez qu'on est de nuit. Voilà, donc on est avec le DAF de nuit. Alors attendez, j'ai un problème avec mes pédales. Voilà. Oh attendez, attendez. Mes pédales bug, ça m'énerve. Regardez-moi ça. C'est long, non mais... Regardez, à chaque fois, à chaque épisode, voilà, les pédales bug. Non mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Non. Allez, avance. Attendez, faut que je... Voilà. Ah bah il voulait pas accélérer. Donc autrement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, merci beaucoup pour les 1000 vues, 1020 vues du moins. Même plus de 1020 vues, je sais plus combien j'ai vu. Pour les 1020 vues justement de la configuration de mon volant, donc vraiment merci beaucoup, c'est vraiment énorme, 1020 vues, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir 1020 vues, je pensais pas du tout. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, merci beaucoup. Et franchement c'est énorme. Donc voilà. Donc j'espère que vous entendez bien le son du jeu, parce que moi je l'entends pas trop, mais vous normalement vous l'entendez bien, j'ai fait un test juste avant. Donc vous voyez que le DAF, alors l'intérieur vous voyez que j'ai un tout petit peu modifié. J'ai mis un nouveau portable, donc avant c'était un vieux portable qu'il y avait à touche, et là j'ai mis un portable tactile. J'ai également changé la radio et le GPS. Bah en fait j'ai changé un petit peu l'intérieur, c'est un mode tout simplement que j'ai pris. Donc le GPS, il a un petit peu changé au niveau du tableau du GPS. Pareil pour le lecteur radio, vous voyez que ça a un petit peu changé parce que tout ça c'est... Ça a pas de mode. Alors je vous le mettrai peut-être pas dans la description parce que je sais plus c'est quel pack de mode. Donc si je le retrouve je vous mettrai le lien, mais à mon avis c'est pas sûr que je retrouve tellement j'ai de mode. Voilà, donc là vous voyez que je montre vite fait rapidement. Donc voilà, donc autrement, bah le DAF Euro 6, bah le DAF Euro 6, le DAF XF, vous voyez que il accélère plutôt bien malgré tout. C'est un camion de... je sais plus alors combien il a de chevaux celui-là. D'ailleurs je vous ai même pas dit la mission du jour, donc on transporte des pommes de Osnabrück jusqu'à Mugen. Donc je vais vous montrer sur la carte du monde c'est où, donc Osnabrück. Osnabrück, c'était ici. Donc là maintenant on est assez loin, on est à Frankfurt am Main, donc en Allemagne. Donc Osnabrück c'est juste ici, donc on est parti de là, bon vous l'avez pas vu. Et on va aller jusqu'à Mugen, donc juste ici en Allemagne. Donc voilà. Autrement, je vais vous dire combien il fait de chevaux. Donc il fait 510 chevaux. Donc vous voyez, pour 510 chevaux, il accélère plutôt bien. Pareil pour le frein, il freine plutôt bien. Moi j'ai testé le frein juste avant. Oula, la caméra qui a bugué.
J'ai testé le frein juste avant et regardez, il freine très très bien, vous voyez, il freine très très vite et rapidement, donc pourtant je l'ai laissé. L'intensité des freinages, je vais vous montrer à combien je l'ai mis. Je l'ai mis comme le Scania, donc effectivement pareil, donc l'intensité des freinages quasiment au milieu, bah, comme le Scania. Et il freine encore mieux que le Scania, c'est impressionnant parce que il freine beaucoup mieux. Et pourtant c'est un camion qui a moins de chevaux et tout, qui a moins de puissance, mais bon après, c'est bizarre, ça dépend des camions en fait, le frein est peut-être plus fort sur certains camions. Par exemple pour le DAF, à mon avis il faut mettre moins fort l'intensité du freinage pour que ça freine moins fort. Et sur le Scania, il faut la mettre plutôt assez haut, enfin vers le milieu, parce que justement, ça freine pas... Enfin si un Scania ça freine bien, mais... Ça dépend où vous avez lequel. Si vous avez plein de modes et tout dessus, il va moins bien freiner forcément parce que ça va laguer un peu plus. Comme là, je tourne à 10 images par seconde, mais c'est normal, on est de nuit. Donc c'est plus comme les 8 images par seconde qu'on avait avant. Mais c'est tout simplement parce que c'est un mode qui faisait bugger les images. Enfin, en fait, qui faisait laguer les jeux. Mon jeu, tout simplement. Donc à chaque fois que je prends le Scania modé avec les plein de pièces dessus, et bah ça me fait laguer mon jeu parce que j'ai plein d'améliorations dessus. Et là vous voyez que le DAF XF de nuit il tourne à 10 images par seconde. Et j'ai testé de jour, il tourne à 25 images par seconde. Alors que le Scania tourne toujours à 8 images par seconde, que ce soit de nuit ou de jour. Donc vous voyez que plus on a d'améliorations, plus le jeu va laguer et voilà, c'est plus jouable. Au bout d'un moment, encore 8 images par seconde, ça va. Mais quelqu'un qui tourne à une image par seconde, je peux vous dire que c'est pas très intéressant à jouer. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu en extérieur parce qu'on va changer de vue, parce qu'on est toujours en vue intérieure et je vous montre jamais les autres vues. Donc la vue extérieure, bah si, je vous ai montré juste à l'épisode 2 de la carrière suivie. Oui, c'est magnifique, hein, juste à l'épisode 2. Donc voilà. Donc là, caméra extérieure, bon on a plusieurs vues, voilà la caméra aérienne. Bon j'ai pas tous vous les montrer quand même, mais voilà, donc la vue passager, donc ça c'est une nouvelle vue qu'ils ont intégrée dans je sais plus quelle mise à jour. Bon vous voyez le tableau de bord, les textures, hein, c'est pas comme ici, hein, c'est pas du tout pareil. Hein, ça change effectivement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont pas assez bien représenté. C'est en vue 6, ah non c'est en vue 4. Non c'est, je sais pas en quelle vue j'ai mis, oula. En 5 peut-être. Ah voilà, en 5. Et vous voyez que... Eh ben, le tableau de bord... Oula. Ouh, le tableau de bord est pas si bien représenté que ça. J'ai failli foncer en poteau, là, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ah oui, on est limité à 80, donc attendez, je vais mettre le régulateur. Tac. 80... Non, ah, il m'a descendu. Vous voyez que comment le DAF, il se freine fort. Il freine trop vite et on n'a pas le temps de mettre à 80. Allez, avance donc. Jusqu'à 80. On va y arriver. 80, 80. Je vais le mettre le régulateur, comme ça on va être tranquille. 80, voilà. Comme ça je le mets, on est tranquille, on n'a pas besoin de freiner ni d'accélérer. Donc on va mettre juste pile poil à 80. Donc il reste encore 5 heures de route et 1 minute. Sauf que 5 heures et 1 minute, ça va faire un petit peu beaucoup. Donc on fera pas tout évidemment les amis parce que sinon ce serait vraiment trop long. Et du coup voilà, ce serait voilà. Après la vidéo vous savez que ça dure 21 minutes. Et pour la conversion ça va mettre 2 heures sur YouTube, enfin c'est trop long. Donc moi j'ai pas forcément le temps justement de uploader tout le temps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais des vidéos plutôt court justement pour pas que bah, de 15 minutes maximum 20 minutes et encore, mais pas plus parce que voilà après c'est trop long à convertir et moi j'ai pas le temps tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez que le jeu lague un petit peu plus ici, alors je sais pas si vous voyez. Juste pour Fraps j'ai remis la capture à 50 fps parce que j'avais redescendu à 30 pour Trins et en fait j'ai à chaque fois j'oubliais de remonter les fps pour Autruck et en fait dans le menu les FPS m'affichaient à peu près dans les 30 FPS, alors que je peux tourner à 60 images par seconde dans le menu, enfin, 60 FPS en gros. Alors c'est pour ça que j'ai remonté à 50 FPS, comme ça au moins dans le menu il tourne à 60. Mais je mets pas vraiment à 60 FPS, sinon ça va trop laguer. Et après ça va être moche quoi. Voilà.
Donc là on tourne à 8 images par seconde, c'est pas normal. Ah si, ah voilà, ça remonte à 10, ça dépend des fois. Et comme on est dans un tunnel en même temps, là il y a deux tunnels à suivre. Ça va être pour ça, regardez, on redescend à 7-8 images par seconde. Donc voilà, donc il me reste aussi un épisode de Trinz, l'épisode bonus. Bon, normalement il sera posté avant cette vidéo. L'épisode de Trinz bonus, justement, que j'ai oublié de convertir parce que voilà, c'est un petit peu long. Faut que je fasse ça avec Movie Maker. Tout simplement, faut que je mette l'intro et tout. Ah, vous connaissez bien. Donc voilà. Donc après, je vais bientôt vous laisser là pour ce test du DaFixF de nuit parce que ça va bientôt être du jour et après c'est plus drôle. Ça veut plus rien dire le titre. Enfin si, ça veut dire pour le début mais après pour la fin ça veut plus rien dire. Donc voilà. Donc après, je vais vous laisser là les amis. Et comme je vous ai dit, normalement pour l'épisode 20, il y aura un truc spécial avec Movie Maker. Je ferai un truc avec la voix et tout. Enfin, je vous en dis pas plus, c'est une surprise comme je vous ai dit. Mais avant, il nous reste des épisodes à faire comme cet épisode. Et puis le 18 et le 19. Et après, on passera évidemment à l'épisode 20. Donc voilà, donc je vais vous laisser là pour ce test du DAF XF. 105 il me semble, alors il me semble que c'est le 105. Bah, il nous dit même pas. DaFixF. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu de DaFixF de nuit. Et n'hésitez pas à me dire quel est le camion que vous préférez dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.